I don't want to set the world on fire. I just want to start. Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter un nouvel épisode des aventures de Tenko dans Fallout 3. Donc aujourd'hui nous sommes dans l'abri 01. Cet abri est un abri pour compagnon que j'ai téléchargé hors ligne, hein, et puis je me suis amusé un petit peu à le visiter. J'ai aussi téléchargé d'autres modes, je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Donc cet abri est un abri donc spécial compagnon, comme je viens de le dire, où il y a beaucoup de choses. Là c'est un peu l'endroit où on entrepose nos armes. Donc ici on a une piscine, on a des gens. Donc j'ai pris, enfin à la base normalement ils ont tous des armures spéciales ou des vêtements spéciaux. En fait j'ai enlevé tous leurs vêtements et j'ai décidé que je leur donnerai tout ce que je trouverai sur les terres désolées. Et j'essaierai également de trouver un maximum de compagnons. Donc pour le moment il y a quelques gens à poil, hein, c'est normal. Salut. Mais j'ai quand même réussi à habiller plusieurs personnes comme vous pouvez le constater. Donc ça commence à se remplir petit à petit. Il y a beaucoup de compagnons de base, on peut prendre quasiment tout le monde avec nous. Et puis voilà, j'essaierai de trouver des compagnons par le biais des mods et de les ramener ici. Je sais qu'il y a aussi un mod qui permet de recruter n'importe qui en tant que compagnon. Mais ce mod m'emmerde légèrement parce que on est obligé de télécharger en fait. Excusez-moi, ça fait mal aux oreilles. D'ailleurs, je vais baisser le son pour éviter tout écho. On est obligé, en fait, si vous voulez, de télécharger le Fallout Script Extender que je n'arrive pas à trouver. Le lien est mort et du coup, j'ai pas pu le télécharger. Et sinon, je pense que je l'aurais pris. Donc, j'ai téléchargé aussi un mod qui permet de rencontrer des voyageurs un petit peu aléatoirement, avec parfois quelques petits événements spéciaux. J'ai téléchargé aussi l'abri 104. J'ai téléchargé aussi un mod qui s'appelle le Commonwealth of Modder, un truc dans le genre. Je pense que je testerai ce mod plus tard parce que je n'ai pas vraiment trouvé d'indication sur comment on va trouver justement le Commonwealth of Modder. Donc, du coup, en attendant, je vais tester un autre mod. Voilà, c'est l'Amazonian Hospital, donc comme son nom l'indique, un hôpital amazonien. Donc apparemment, il aurait survécu aux guerres atomiques, survécu entre guillemets, et puis c'est une sorte de ville dans un hôpital finalement. Donc on va visiter ça, et apparemment il y aurait des quêtes liées à cet hôpital, donc c'est plutôt intéressant. Allons-y. Bon, il faut savoir que, bon, il est 17h14, des chiens sauvages, ok. Bon, c'est réglé. Maintenant, c'est pas réglé. On est attaqué par des raiders. En fait, j'arrive, il y a une attaque de raider, quoi, c'est normal. Bon, donc il faudrait que je pense à m'équiper de d'autres armes aussi, hein, parce que là, c'est bien le katana. Enfin, le katana, c'est même pas un katana, c'est un sabot chinois. Mais c'est pas forcément utile quand il y a des ennemis comme ça qui nous arrivent sur la gueule. Et je vais finir par être sérieusement blessé. Je dois toujours avoir mes 100 steampacks quelque part. Ah non, même pas, j'ai plus de steampacks. J'en ai 3. Donc ça va être un peu juste. Mais j'ai intérêt à pas faire trop le... J'ai intérêt à pas trop faire le kéké, si on peut dire. Je vais équiper le fusil de chasse. Voilà. Ça devrait faire l'affaire, je pense. En attendant de trouver mieux. J'ai été coupé dans mon élan, je sais plus ce que j'allais dire. Enfin, ça me reviendra. Ah si, oui, il est 17h15. J'ai jusqu'à 18h environ pour vous montrer un maximum de trucs, et après je serai sûrement obligé de faire une coupure, donc au pire, si j'ai pas montré assez de trucs, je reprendrai après, de toute façon vous vous rendrez compte de quasiment Salut. Rien. Alors, ouais. Parlons à Sydney. Ouais. À plus. Bon. Bonsoir. Ouais.
Ok, vous avez la même voix. Salut. Donc pour le moment, bon, à dire rien de très intéressant, hein, on va visiter l'intérieur de l'hôpital. D'accord, donc là il y a des brahmines en masse. Donc les brahmines sont des vaches à deux têtes, hein, dues forcément aux radiations. Je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, hein, parce que les brahmines, tout le monde en a croisé, sinon. Bon, d'accord. Pour le moment, je ne peux pas aller ici, je vais éviter de cheater. Salut. On va essayer de faire le tour, on va voir. Donc, ça a l'air relativement grand, hein, d'après le descriptif du mode, les screens que j'ai pu voir. Mais après, je ne sais pas grand chose sur les détails. Je ne cherche pas trop à me spoiler non plus. Ok, comment on rentre dans cet hôpital de merde? Parce que c'est bien beau tout ça, mais... Allez, je vais essayer de faire un petit peu le tour, hein. Je vais finir par trouver. Dans le pire des cas, je vais utiliser la mini-carte et puis je chercherai les entrées comme ça, mais bon. Bon. Bref. Carte locale. Abri ACL. Hôpital abandonné. Abri ACL. Ok, donc c'est sûrement quelque part par là. On va chercher. Bon, j'ai réglé le problème de lag, hein. J'ai diminué les graphismes. Ça se sent. Quand on voit la texture du bâtiment, oh, ça se sent. Faites un peu attention à ce que vous faites. Quoi? Mais j'ai rien fait. M'énerve. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Peut-être par là. J'ai cru voir quelque chose, mais... Non. J'ai sûrement rêvé. C'est quand même bizarre. Ah, attendez. Là, il y a une entrée. Non, mais c'était tout con, en fait. Ah. Waouh! Alors, il y a un champ de force. Ouais, j'ai eu peur que ça plante. Ça lag un peu là. Identification Tenku Hideyoshi, accès autorisé. C'est la première fois que je viens ici. Comment est-ce possible? Sujet humain, oui. Origine abrissant. Hein. Ok. On va éteindre moi le champ de force, hein. Et on va faire le gentil, puisque bisounours. Hein. Activer le champ de force. Voilà. Bon, il faut savoir une chose, je crois que ça brûle ou pas, non, ça fait rien du tout. Il faut savoir une chose, c'est que... Ah, il y a des portes de l'abri 112, dis donc. J'avais dit que je ferais bisounours, bon, je ferai bisounours, mais ça m'empêchera pas de faire quelques sarcasmes de temps en temps, hein, parce que... On peut être bisounours et avoir de l'humour en même temps. Donc, visitons les pièces une par une. Ok, ok. Donc là, il y a des casiers avec des armures assistées, bien sûr, super. Mais je ne vais pas les prendre parce que c'est hyper lourd. Des munitions à ne plus savoir quoi en faire. C'est un fusil d'assaut chinois, j'en veux bien. Un fusil laser, non merci. Microcellule à fusion, ouais, ça peut servir. Si on veut se faire de la thune. Donc là, il y a des cellules. Oui. Sophia. Quels sont les besoins? Ah oui, alors cette voix de ghoul, c'est un bug qui est lié très probablement au mode des voyageurs, parce que c'est depuis que je l'ai installé que j'ai ce bug et quasiment tous les personnages peuvent me sortir cette phrase au bout d'un moment, quels sont les besoins, avec une voix de ghoul féminine. Donc faudra pas s'étonner. Après, si c'est vraiment trop gênant, j'enlèverai ce mode de voyageur, ce qui est un petit peu dommage. J'aimerais que vous ayez l'occasion de voir quelques rencontres aléatoires avant, quoi. Alors bonjour, je suis nouveau ici. Les visiteurs se font rares ces temps-ci, vous allez être notre invité d'honneur pour quelques temps. Bienvenue.
Vous êtes trop gentil. Ouais, à plus. Bonsoir. Carolina. Ouais. Ouais. Bon bah, y a pas grand chose à dire aux gens. Salut. Hein. Pour le moment, j'ai rencontré que des femmes, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a dans ce terminal? Ouais, donc, je sais pas trop ce que c'est, ces trucs-là. Ambiance matin, journée, coucher, nuit. On va toucher à rien pour l'instant. Ah, t'as marqué fuck you en dessous. Intéressant. Bonsoir. Salut, Noki. Quels sont les besoins? Voilà, vous avez vu, j'ai encore une fois. Salut. C'est salut. Assez aléatoire, à vrai dire. Bonsoir. C'est pas à tous les coups, mais... Ça fait... Oui. Bon, bah... Je sais qu'il y a des quêtes liées au personnage, donc j'essaie de parler un petit peu à tout le monde, hein, histoire de pouvoir les activer le plus vite possible. Qu'est-ce que c'est? Ça fait rien quand j'appuie sur prendre, donc... On va aller par là, on va bien voir. Donc là, apparemment, c'est des sources d'eau chaude ou les endroits où... Là, il y a les douches. Là, il doit y avoir des chiottes, ouais, forcément. Ça fait plaisir. Ouais, ça m'a l'air d'être une grosse source d'eau chaude. C'est plutôt intéressant. Salut. Quels sont les besoins? Oh putain, quelle voix sexy. À plus tard. Ouais. Bah, ouais, bah c'est cool. Je suppose que ça leur sert plus de piscine à la limite. Là, bah, c'est l'occasion de boire. Et de se remettre un peu de vie. Hop. Sans s'irradier en plus. Que demande le peuple. Donc, le look de cet hôpital fait très abri. Oula. Salut. Oula. C'est quoi ces bugs là? Il y a des bugs étranges. Donc oui, ces bugs-là, en plus, j'ai déjà rencontré des bugs de ce genre. Donc si vous avez une explication à ça... Oui. Parce que, bon, c'est des choses qui peuvent arriver hein, quand on installe plusieurs modes hein, au bout d'un moment. Mon lit, c'est tous mes lits, en fait. Au bout d'un moment, on peut être amené à ce genre de bugs bizarres, de textures. C'est la première fois que je les vois, d'ailleurs, Oui. En jouant à Fallout 3, mais bon. Ah oui, c'était écrit ça, qu'il cultivait beaucoup de choses. Quels sont les besoins? C'est horrible. Bon, dès que possible, j'enlèverai ce mode de voyageur, mais... Bonsoir. Salut, Béatrice. Quels sont les besoins? Oui. Donc, Béatrice, chef... Ce serait la chef de cet hôpital, en fait. Donc, est-ce que j'ai visité cette... Ça fait plaisir. Oui, c'est, là, de c'est, vous la, voir. C'est là d'où je viens. Je bug à moitié. Ça que fait je parle. Plaisir de vous voir. Poupée médecine. L'homme intelligent sait qu'un bandage ne fait que masquer ses blessures. Donc, c'est une poupée médecine géante. Marrant. Avec un... Your special. Un journal de médecine. Je le volerai bien, mais on a 10 bisounours, donc je le volerai pas. Ah, le guide de survie des terres désolées, tiens. Oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a une coupure de courant ou... C'est quoi ce bordel? Étrange. Vraiment étrange. Donc c'est peut-être ça, en fait. Si je fais ça, ambiance journée... Ok. Ambiance nuit. On va mettre ambiance journée hein, pour le confort parce qu'il faut qu'on voit quand même quelque chose. Donc ouais, le guide de survie des terres désolées, c'est celui qu'on écrit avec Moira Brown. Donc il ne devrait pas être écrit, théoriquement. Salut. Météo. Waouh. Ouais. Donc Hélène, cuisiniste. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est blanc. C'est extrêmement blanc. Oui. Quels sont les besoins? Toi, t'es docteur. Vous soignez les bobos, docteur? Ok, on ne bouge plus. Ça fait plaisir de vous voir. Salut. Bon, donc toi, je t'ai déjà parlé. Salut. Toi oui. Aussi. Bonsoir. Marie Cobaye. Ah bah putain. Quels sont les besoins?
quels sont les besoins? Je pense que vous allez en avoir marre à la fin de cette vidéo. Salut. Ouais. Sonora. Donc toi aussi, t'es docteur, ok. Pour le moment, j'ai croisé que des femmes, hein. C'est un hôpital de femmes, quoi. Salut. Il doit être content, le Tenko, hein. Oh, qu'est-ce qu'il y a par ici? D'accord, donc la salle du réacteur, on peut pas y aller. Après, c'est l'étage. Alors, je vais m'assurer juste vite fait, est-ce que j'ai tout visité à cet étage avant d'attaquer un autre? Ouais, j'ai pas été ici. Salut. Ouais. Salut, Agatha. Ouais, bon, ok. Hop. Donc, il y a plein de distributeurs de Nuka-Cola comme neuf. Un interrupteur électrique qui ne sert à rien. Putain, le frigo, je peux pas l'ouvrir, mais il est comme neuf. Ok, ok. Salut. Salut. Ouais, salut. Et là, pourquoi je pourrais pas y aller? Expliquez-moi. Armure de combat Amazon. Donc je peux les prendre sans que ce soit considéré comme du vol. Autant que j'en prenne une, hein. Tant qu'à faire. Fusil d'assaut Amazon, bah allez. Donc ça, je pense que c'est des trucs rajoutés. Pourtant, j'ai pas eu de texture à installer, donc c'est bizarre. Je me souviens pas en avoir vu dans le jeu d'origine, en tout cas. Donc, on va équiper fusil d'assaut Amazon. On va s'habiller, voilà, de la manière locale. Quoique si, j'en ai peut-être déjà vu, en fait. J'ai un gros doute, mais bon. Ah bah écoutez, ça, je vais le prendre, hein. Fusil sniper. Ouais, ça m'appartient désormais. Stockage du sang. Ah ouais, d'accord, il y a des poches de sang ici. Donc c'est peut-être pour les vampires, je sais pas. Parce qu'il y a... C'est pas une blague, hein, il y a des gens qui s'alimentent de sang dans le jeu à un moment donné. Je pense pas qu'il y en ait ici, mais bon, c'est pas grave. Ils sont tous en train de boire. Oui. Non, rien. Bon, on va aller à l'étage maintenant. Salut. Salut Claire. Quels sont les besoins? Je t'ai pas encore croisé, toi, je crois. Ouais, un plus. Salut. Bon, les personnages n'ont pas trop de personnalité, hein, par contre. Hein. C'est assez assez moyen de ce côté-là. Salut. Bon. On va visiter parce que là, je ne vois pas trop. Ça a l'air d'être des chambres un peu plus de luxe, ici. Forcément, dans un hôpital, c'est évident qu'ils ont pu faire toutes sortes d'appartements, hein. Étant donné que dans un hôpital de base, il y a plusieurs chambres. C'est assez logique finalement qu'ils aient pu faire en sorte que des gens puissent vivre dans un hôpital. Même si... Oh, c'est pas si mal. Clé confidentielle, ok. Bon bah, ça va peut-être ouvrir des trucs intéressants. Oula. Allez, ça c'est un appart de luxe, dis donc. L'eau, par contre, elle est noire. Hein. Bon, bah oui, cool. Mais ouais, bon, les apparts dans l'ensemble sont pas super développés, bien sûr. C'est ce que je voulais dire juste avant d'être de m'auto-couper, on va dire. Mais ça reste quand même du correct pour une après-dévastation nucléaire. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Oui. Oui. À plus tard. C'est quand même bizarre comme tenue, hein. En fait, je pense que des vêtements doivent reprendre des textures qu'on voit dans le jeu à certains moments. Et que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu besoin de rajouter des packs de textures ou des trucs dans le genre.